excuse-moi, je peux prendre la chaise? Oui, vas-y, j'allais partir. Ah, super, merci. C'était bien toi. Carmen, ça va? Hier soir, je suis passée par ici, j'avais un doute, je savais pas si c'était toi, mais je pensais que c'était dans ma tête. C'est... Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce que tu deviens? La fac. Enfin, quand j'y vais. Pourquoi? Ça te plaît pas? Qu'est-ce que tu fais? Bah, quand t'es partie de Montpellier, j'ai arrêté la danse et j'ai décidé de faire des études d'infirmière. Tu veux devenir infirmière? Pas vraiment. Pourquoi t'as arrêté la danse alors? Ben, je me suis retrouvée seule. T'as qu'à reprendre ici avec moi. Ah, je peux pas. Pourquoi? Parce que je repars. C'est à Barcelone? Ouais. T'as pas fini tes études de danse? Si, j'ai fini, mais j'ai l'opportunité de donner des cours. Devenir prof de danse? Wow, ok. Mais toi, tu peux reprendre, hein, t'es très douée. Ah, mais j'ai jamais arrêté, moi, monsieur. Ben alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai arrêté les cours de danse, mais je fais des clips avec l'aide d'un gars que je vois. Avec un gars que tu vois? Ouais. Il s'appelle Quentin. On est plus ou moins ensemble, c'est compliqué. Plus ou moins... tu l'aimes? Non. Vaut mieux pas, mais c'est le seul que j'ai dans ma vie. Tu sais que j'aimerais beaucoup qu'on se remette à danser ensemble sur scène. Tu veux dire comme avant? Ouais, comme avant. Comme à l'époque où tu te casses la gueule. Arrête, c'est arrivé qu'une seule fois. Ouais, c'est arrivé qu'une seule fois. Oui. Et tu t'étais relevé. Oui. Tu repars quand? Je sais pas, ils vont m'appeler là, dans la semaine. Tu fais quoi demain? J'ai quelque chose de prévu. Désolé. Quelque chose. De révision, de trucs chiants. Ok. Je pars par là, moi. Ouais, bah je vais partir, moi aussi, de toute façon. Okay. Ça m'aurait fait plaisir de te voir, en tout cas. Ouais, bah c'est très cool. On se rappellera. Ouais. Day, call it day, one by the sun.
C'est la dernière fois que je te vois. Qui sait, on se reverra peut-être, hein. C'est toujours pas quand tu pars? Si, si, je pars aujourd'hui. Encore? Je veux devenir prof de danse, je pourrais t'enseigner et tout. Très drôle. J'ai pas tout perdu, hein. Mm-hmm. D'ailleurs, ce devrait être moi qui t'enseigne. Ah. Je suis sûr que c'est moi qui t'as tout perdu. Allez, battle là. Qu'est-ce qu'il y a là? Battle maintenant, là. Tu vas me manquer. Bah, on se reverra peut-être. Si tu me rejoins d'ailleurs, par exemple. On se reverra. Dis, ça te dirait de partir tourner un clip ailleurs? Ailleurs où ça? Quelque part en Espagne. Ça, c'est la meilleure. Pourquoi ça? Pour rien. Vas-y, raconte. Non, c'est trop fou. Ok. Mais oui. Quoi? Je suis partante pour l'Espagne. Cool. Quand est-ce que t'es dispo? Quand tu veux. Demain? Maintenant. Par contre, il y a quelqu'un qu'il faut que je voie aujourd'hui. Tu es reparti, tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et des ambuleront. Allô? Donc, je suis quoi pour toi? Une bonne pote. Rien de plus. Écoute, on a fait un clip ensemble, on peut dire qu'on s'est fréquenté une fois, et c'était bien, mais c'est tout. J'ai pas de temps à consacrer à une fille, moi. Tu vois quelqu'un, c'est ça? Oui, je vois quelqu'un. D'accord. Bon. Bon, déjà bien, je me suis fait un film. Ah, mais faut pas faire ça, hein. Facile à dire. Bon, je dois te laisser. Déjà? Évidemment. T'arrives et tu repars. On se reverra peut-être. T'as dit pas de film. Salut Lucille. Adieu Quentin. Thank you.
Vous qui veut un verre? C'est moi qui régale. 1, 2, 3. Ok, 4 pintes s'il te plaît. Allez, 4 pintes, c'est parti. Ok, merci. Et ouais, 4. Ouais. Salut. Allez, je viens ici. Ça va, je te dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Tu viens souvent ici tout seul? Ça arrive, oui. Je vois. Bon, écoute, j'ai un truc à te proposer, rien que pour ce soir. On arrête de penser. Ok, je sais, on se connaît pas, mais on s'en fiche. Ok, Lucie. Je sais pas qui c'est Lucie, mais moi je m'appelle Carmen. Ouais, désolé. Excuse-moi. Moi, c'est Léo. J'arrive à passer du temps avec toi, Lucille. Je passe et je pense encore passer tout le reste du temps qui me reste avec toi. Toi, t'es amoureux. Oui, oui, Lucille, je t'aime. Mais c'est Carmen, gros bêta. S'il te plaît, je t'en supplie, passe du temps avec moi. T'es complètement sous. Je suis pas sous, je suis amoureux. Moi aussi, je crois que je suis amoureuse. Mais ouais, c'est... On s'en fiche. Non, Lucille, faut pas s'en fiche. Regarde-moi, je t'aime vraiment, même. Je t'ai même écrit une lettre. Attends, je te la lis. Lucille. Si je t'écris, c'est simplement parce que les mots sont plus concrets sur une feuille. Léo ? Léo ! Reviens sur Terre, c'est Carmen. Range-la, cette lettre. C'est pas moi que t'aimes, c'est pas moi que tu veux. Allez, fonce ! Va lui donner, elle sera contente. Dans un bel état, toi. Laisse-moi l'avion.
Je suis désolé, j'ai oublié quelque chose. Pas de soucis, vas-y. Merci. Attends. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu faisais devant chez moi hier soir? C'était... Non, je sais plus. Et t'as l'habitude de disparaître comme ça quand mes filles te recueillent pour la nuit? Non, pas du tout. Enfin, jamais en fait. Je peux t'inviter à prendre le thé? Alors, raconte-moi ta soirée. Ma soirée? Oui, hier soir. Comment t'as fait pour atterrir devant chez moi? Allez, raconte. J'ai envie de savoir. Ça peut être depuis la seconde, ça commence à faire un petit moment. C'est que c'est encore assez flou. J'imagine bien. T'étais sacrément sous. À ce point-là? Ouais. Mais t'inquiète. Rien de bien méchant. T'es même mignon. Bon allez, arrête d'esquiver. Raconte-moi. Bah hier soir, j'avais un peu le moral à zéro. Alors je suis sorti boire un verre au bar et écrire. Je crois que j'avais besoin de, tu sais, redescendre de mon nuage. T'as pris ta dose de réalité. Ah, oui. On peut dire ça comme ça. Enfin, j'ai écrit là-bas aussi. T'as bu? Et j'ai bu, ouais. J'étais avec Lucille. Ah, tu connais une autre Lucille? Non, pardon, elle s'appelait Carmen. Ah. En tout cas, je la connaissais pas et elle est arrivée, elle a payé un verre à tout le monde. Elle a l'air sympa. Ouais. Enfin, dans mon souvenir, elle est. Et après, je me souviens de rien. Trop facile. Comment arriverai-je à te faire parler, Léo? Si je me suis retrouvé devant chez toi hier soir, c'est parce que je suis amoureux. Et si c'est avec hier soir, c'est parce que j'étais bourré. Pourtant, Lucille, j'ai l'impression que t'es tout le temps avec moi. J'ai sûrement l'air d'un fou. Un fou sur son nuage. D'aussi loin que je me souviens t'aimer, je suis toujours resté à distance. Pourquoi? Parce que... Qui voudrait d'un fou comme ça? D'un fou, je sais pas, mais... un garçon dans la lune qui voudrait bien m'emmener sur son nuage. Je crois bien que ça pourrait me plaire. Un gars dans la lune? Ouais. Un gars comme toi? Alors, contente de partir? Là tout de suite gueule de bois, mais... Ouais, ça me ferait du bien. T'as l'air songeuse. Je le suis un peu. Pas un peu pour toujours, tu sais. Je sais. Il y a un autostoppeur. On le prend, il va galérer là. Okay. Allez, montre. On va en Espagne, nous aussi. Merci, t'assure.